Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Avec un petit peu de retard, cette vidéo sort enfin. J'ai eu pas mal de contributions pour ce petit délire, on va dire ça comme ça. Là, en gros, j'ai 10 photos. J'ai eu d'autres photographes qui m'ont envoyé leurs photos, mais un peu trop tard par rapport au montage de la vidéo. Donc, je vais faire avec les 10 photos que j'ai. Je ne vais pas pouvoir commenter les 10 photos, histoire de ne pas faire une vidéo trop longue. Donc, je mettrai toutes les autres photos en fin de vidéo et sur Instagram aussi. N'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux, bien évidemment. Pour que tout le monde puisse voir les photos. Donc, pour choisir les photos que je vais, on va dire, commenter, je vais faire un petit tirage au sort de 5 photos. C'est parti. Alors, la photo numéro 9. Ensuite, la photo numéro 3, la photo numéro 5, la photo numéro 6 et le dernier numéro, la photo numéro 7. Voilà mes 5 photos, les 5 photos que je vais choisir. Alors, donc on a dit photo numéro 9, photo numéro 3, photo numéro 5, photo numéro 6 et photo numéro 7. Voilà les 5 photos que je vais commenter. Je vais essayer de faire à peu près 1 minute par photo pour ne pas, comme j'ai dit, faire une vidéo trop longue. Et bah écoutez, bah c'est parti. Hein. Alors, photo numéro 1. Bah déjà, j'aime bien. C'est très simple. C'est vraiment propre pour une première photo. Alors, au niveau des couleurs, je trouve les couleurs un peu désaturées, mais ça rend bien avec l'univers de la photo. On voit bien, par exemple, que le ciel est pas très, comment dire, pas très piquant, on va dire ça comme ça. La mer, pareil, les couleurs sont un petit peu désaturées, j'ai l'impression, mais pour moi, ça va. C'est bien au niveau de la retouche de la peau, le grain de peau est là. Moi, pour moi, la photo est très très bien. La peau a été bien traitée, voilà. Moi, ouais, alors, la petite critique que j'aurais dit pour cette photo-là, c'est donner un petit peu plus de peps aux couleurs, mais sinon, à part ça, pour moi c'est validé, j'aime bien. Et donc voilà. Next photo. Il y a une photo en noir et blanc. Ah oui, il y a une photo en noir et blanc, effectivement. Alors, la photo en noir et blanc. Et c'est parti pour la minute. Bah déjà, le noir et blanc, moi j'aime bien. J'aime beaucoup le style noir et blanc. Je crois que la seule photo noir et blanc, oui, je sais qui l'a envoyé. Si je me trompe pas, on va voir ça tout de suite. Avec le grain. Ouais, ça fait style vintage, photo à l'ancienne. Oui, je sais qui a envoyé la photo et moi, ça match hein, en fait. Le traitement est vraiment, vraiment unique. Les têtes de la photo matchent bien puisque du coup elle n'est ni sous-exposée ni surexposée au max. Après la retouche de la peau, mais par rapport au grain de la photo, on ne voit pas vraiment, mais c'est bien en fait. C'est simple, c'est efficace. Pour moi ça match. Bien évidemment, c'est maintenant que mon portable veut sonner. Bah ouais, moi ça me va. So, next photo. Bon, ben là déjà, par contre, on voit qu'il y a de la retouche. On voit qu'il y a de la retouche, on voit que les couleurs ont été poussées. Mais on voit aussi surtout la peau. La peau a été travaillée. Mais oui, là tout de suite, on voit que la peau a été retouchée. Et effectivement, oui, la peau a été retouchée. Alors, je sais pas qu'est-ce qui a été utilisé, mais oui, la peau a l'air un petit peu lissée, comme on dit. Faut faire attention aussi, quand on traite uniquement le corps, là, on voit bien une sorte de petit halo autour de l'épaule,
qui montre qu'il y a eu un traitement qui a été fait sur le corps. Pour moi, les couleurs, j'aime bien les couleurs, mais au niveau de la tête et du buste, je pense que ouais, le traitement a été un petit peu trop poussé. Et c'est tout. Mais la photo est sympa. Moi, j'aime bien les couleurs. C'est pétant comme j'aime bien. Ça, voilà, ça envoie. Faudrait juste ouais, atténuer la retouche sur la peau, puisque là on voit bien vraiment que ouais, y a eu du traitement sur la peau, donc on a perdu un petit peu les graines de peau. Sinon, sans plus, la photo est bien, moi j'aime bien. Next photo. Alors là on voit bah, qu'il y a eu recadrage, la photo a été légèrement tournée. Là aussi, un traitement un peu poussé, on le voit aussi au niveau des couleurs là. Donc pareil, il faut faire attention au niveau des retouches quand on accentue des couleurs, mais puisque là c'est vraiment poussé sur le rouge. Après, la photo en elle-même, pareil, c'est un parti pris assez sympa, j'aime bien l'ambiance de la photo. Au niveau de la retouche de la peau, alors j'ai l'impression qu'il y a eu de l'accentuation. Pour de la netteté, de l'accentuation ou de la comment ça s'appelle ce truc là déjà, de la clarté, je pense plus que c'est de l'accentuation, donc faudrait faire attention à ne pas trop pousser les réglages, mais sinon non, j'aime bien. C'est encore une fois un parti pris assez intéressant, les couleurs sont sympas, le cadrage est pas mal aussi. Bon, on doit peut-être pas pencher la photo, mais c'est sympa. C'est vraiment un beau parti pris. En tout cas, la retouche est pas mal. J'aime bien. So, next photo. Eh ben, c'est parti. Ben, pour la dernière, c'est du très soft. C'est du très simple. C'est simple et efficace, en fait. Moi, j'aime bien. Là aussi, les couleurs sont un petit peu désaturées. Peut-être au niveau de la... Non, même pas. Non, la peau est là, j'aime bien. On va peut-être éventuellement faire attention à ce que, par exemple, le visage et le reste du corps soient assez harmonieux en termes de luminosité, parce que là, on voit qu'au niveau du cou, c'est un peu plus éclairé qu'au niveau du buste. Sachant que la lumière était de ce côté-là. Donc ouais, si on éclaircit le visage, faudrait penser aussi au reste du corps pour que ça matche. Mais sinon non, la photo est bien. C'est désaturé, c'est comme j'ai dit un parti pris. Mais c'est pas mal. Moi j'aime bien. Et voilà mon petit retour par rapport aux photos que vous avez retouchées. J'ai malheureusement pas pu commenter toutes les photos car sinon la vidéo serait vraiment trop longue. Mais je vous mets les autres photos sur un post Instagram. Donc n'hésitez pas à aller check ma page Insta si vous voulez voir les autres photos et surtout commenter les autres photos. Sur ce, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour toutes les autres vidéos qui viendront et ne rien rater. Peace.